prophétie. Je suis estomaqué, effaré, sidéré et consterné aujourd'hui vis-à-vis d'un homme de Dieu, non des moindres comme Jean-Claude Kabundu-Walesa. Je m'en vais vous donner des faits. Soyez à l'aise, soyez à l'aise. Je suis à l'aise, serein. Oui. Et je ne me fâche pas. Mais je suis comme un appareil. Donc, plus je parle, plus la voix augmente. Oui. Est-ce c'est normal qu'il puisse dire ben, Félix va être assassiné dans 2 ans s'il ne le reçoit pas? Il n'a pas dit ça. Vous adhérez. Et je comprends que non, vous faites partie de ceux-là qui font cette mauvaise campagne. Wallace n'a pas dit cela. Il a dit ceci. Il y a un complot. Après 2 ans, si le chef de l'État, Antoine Tshilombo, ne tire pas attention, ne suit pas les directives lui données par Dieu, les fatales, les pires pourraient arriver. Il a dit pourrait, s'il ne suit pas les directives. Il n'a pas dit qu'il soit reçu. En plus, moi je crois aux prophéties. Vous savez, il faut respecter d'où est venue la prophétie. Il ne faut pas que la prophétie vienne de Pigerin et que vous, au lieu de se référer à Pigerin, vous allez consulter votre. Les faits, s'il te plaît. Oui. Wallace, est-il à sa première prophétie pour votre gouvernement? Wallace, l'avènement de l'arc-en-ciel, il a dit aux Congolais, il y aura passation de pouvoir en douceur. Il y a eu passation de pouvoir en douceur. Wallace, il a dit au couple Olangi. Il a dit à maman Olangi, père à son âme, papa est malade. Dieu lui a recommandé d'aller prier pour lui. Maman Olangi ne l'a pas fait la tâche. Papa Olangi est où? S'il te plaît, l'avènement d'Antoine Tshilombo, qu'on a fait du pays, Wallace Kabundi, a dit que Tshilombo sera président de la République. Troisième fait, l'incident de l'investiture, si vous ne savez pas. Wallace, un jour avant, il a parlé, s'il te plaît, nous sommes dans le fait. Vérifier, vrai et vérifiable. Voilà. S'il te plaît, non. Oui, le quatrième. Vous avez parlé de que cette fois-ci, il a reçu vision. Il en a parlé à certains membres d'est de la famille. C'est pour aujourd'hui, le comble que, au lieu que les gens qui sont contre Félix s'en prennent à lui, les comploteurs, mais on constate que ce sont les gens qui sont avec Félix qui font ombrage, qui bloquent le passage à Claude Kabundu-Walesa pour rencontrer le chef Est-ce d'État. Est-ce que Walesa ne peut pas aussi prier Dieu, que Dieu épargne Félix, qu'on ne puisse pas l'assassiner, qu'il prie aussi pour mon papa, maman Olang à l'époque, qu'il puisse guérir, parce que ça aussi, non? Tout à fait, lui, la promesse, c'est pas pour que les gens meurent, Il peut aussi prier pour que les gens puissent être vivants. Je crois que le domaine spirituel est très complexe. Ce n'est pas le pasteur Godet qui pourra me contredire. Mais je suis tout simplement en train de rappeler aux gens qu'il faut laisser le domaine de la médecine aux médecins et laisser la construction des bâtiments aux ingénieurs. C'est-à-dire, si vous n'avez pas assez de la connaissance au niveau de la parole de Dieu, il ne faut pas dire des choses que vous ne maîtrisez. Lui, le domaine des prophéties, la Bible dit, on ne méprise pas les prophéties, mais il faut seulement les sonder. Il faut les sonder. Kabundu Walesa, ça n'est pas quand même n'importe qui dans ce pays par mais rapport à... Mais lui, toutes les prophéties, c'est que les gens vont mourir, mourir. Finalement, c'est parce qu'il est mort. Ce n'est pas un problème. Si Dieu vous dit, vous allez dire, il ne faut pas faire comme les gens de l'amour. Dieu dit, tout ce qui est révélé est condamné. Est condamné. Par la prière. Ajoutez par la prière. Ajoutez par la prière. Excusez, Nico. Les gens qui parlaient de l'argent, tout ça. Kabundu n'est pas un pauvre, il faut qu'on se le dise. Ce n'est pas vos petits pasteurs ici qui vous mendient. Des trucs dans les bus ici, ainsi de suite. Mais il a l'argent où? Mais dans, c'est le monde. Non. Les mêmes à Bonza, les offrandes les dîmes, à tout ça. Je suis en train de chuter pour dire ceci. Le président Félix est un chrétien, doit aussi comprendre et capitaliser certaines choses. Mais je dis en chitant pour une seule phrase ceci. Oui, c'est un chrétien. Il est d'abord chrétien. Le dénominateur, c'est la Bible. Il peut aller prier à l'église catholique hier, comme il était parti, tu vas comment une église ni. Si tu retournes la chaussette à Félix, couleur n'a pas une voilà, c'est le bonjour, merci. C'est très important, s'il vous plaît, juste 30 secondes. C'est très important ce que je vais dire. Pourquoi les gens veulent le malheur de Félix? Vous allez gagner quoi? 18 ans de la Kabylie.
Bon, il passe à selon vino bolo Kabila, Kabila mitigé. Voilà, Kabila est en train de souffrir. Voilà, c'est les... à ça qui bon, Michel, si vous voulez que Félix échoue, Michel, c'est vous qui allez souffrir. Je vais, pas Félix, je vais aller rapidement. Merci. Je vais aller rapidement. Je vais aller rapidement, s'il vous plaît. Je vais aller rapidement. Oui, la prophétie de Waïsala. D'abord, il n'est pas au sujet. D'abord, je commence, s'il vous plaît. Je commence la concision. Je commence. La question c'est sur Waïsala. Par demander à Pi Gérard de dire aux Congolais les conséquences du Conseil économique. En quoi est ce Conseil non, mon cher ami. C'est les, évoluons, s'il vous plaît. Évoluons, on perd le temps inutilement. Oui. Martin Luther King dit que notre vie s'arrête dès lors que l'on décide de garder silence sur les choses graves. S'il vous plaît, les choses graves sont lesquelles? Vous pensez que quand on annonce la mort de quelqu'un, ce n'est pas une chose grave? Le problème, c'est qu'au Congo, nous ne comprenons pas les prophéties. Dans les temps, quand un prophète parlait, la vie s'arrêtait dans un pays. Je n'aimerais pas parler de cette prophétie que prophète Esaïe avait apportée au prophète Ézéchiel. Mais je vais parler de Walesa. En 2003, alors que Mbujimayi vit ses bons moments, les diamants est acheté à un bon prix, cet homme s'élève, il dit dans la ville, je vois une grande famine frapper Mbujimayi et je vois la plupart des Mbujimayens fuir la ville, soit pour Kinshasa, soit pour Lubumbashi. Tout le monde s'est moqué de lui. Et quelques années plus tard, nous savons ce qui est arrivé. Plein de wawa, tout ça. Donc, j'ai fini pour dire que cet homme, c'est un homme de Dieu. Walesa, il faut voir ce qu'il fait. C'est le seul pasteur, le seul, qui lorsqu'il vous prêche, il est bien habillé, son interprète est bien habillé aussi. Oui, bon, ces musiciens aussi. S'il vous plaît, j'ai juste ça. C'est le seul, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est le seul pasteur qui enseigne et la vie éternelle, mais qui donne aussi le matériel à ses propres fidèles. Tu dis la pasteur. Mais il y a un élément. Je n'ai pas compris. Michel, deux secondes. Il y a un élément qui m'a fait très mal. Nous, les journalistes, lorsque Pi Gérard est dans les problèmes, nous lui venons en aide. Les médecins aussi. J'ai regretté de voir les pasteurs combattre leurs propres frères pasteurs, leurs propres collègues. En l'occurrence, moi, que j'ai vu tirer à boulet rouge sur Kabundi Walesa, alors qu'il pouvait lui apporter son soutien, merci. Il a passé tout son temps à insulter Kabundi Walesa. Et ça, je condamne. Kabundi Walesa, c'est un homme de Dieu.